Bonjour tout le monde, si c'est la première fois avec nous sur Chanel, ça, moi, rappelons que grand bouton rouge en bas, songez pour presser, pour capable connecter avec nous, pour capable partager ensemble des informations que nous gagnons tout au cours de journée, que nous analysons pour vous. En fait, l'information que nous voulons pour vous, c'est que nous gagnons inspecteur divisionnaire Séraphin Chéri, monsieur Jetil. C'est un inspecteur divisionnaire, monsieur, c'est responsable adjoint de l'unité lutte contre les crimes sexuels dans le bureau des affaires criminelles, direction centrale de la police. Après plusieurs mois de menaces, attaques meurtrières, finalement, monsieur dit pas gagne pas boire, pas gagne le choix, lui retire l'école. Et monsieur T, en fait, c'est pas, en fait, le monsieur avait expliqué l'histoire, c'est pas depuis, ça fait longtemps qu'il a subi ça, les attaques armées. En fait, ça a remonté depuis le 29 juin 2019. Non, en fait, je parlais de Route Maïgaté, côté qu'elle était victime. En fait, mais ça, monsieur expliqué. Bureau de renseignement judiciaire, direction de la police, il recevra des informations de sources claires, sources vraiment sûres, concordantes. D'après information ça, eh bien, il y a un gang armé qui a écrasé barrière. Écrasé barrière, nous avons des séries de noms, mes amis. Il fait un plan quand il devait exécuter, cher Rafin Serami, inspecteur divisionnaire là, il devait tout et tout ensemble avec policier Mackenzie Tam. Pour dire qui ça devait tout y des mounes, ça, mes amis. Vous aurez nom bien. Et, croisé barrière, et, en fait, puisqu'il y a quatre, enfin, disons, tout le monde, non, actuellement, tout le monde dit qu'il y a quatre blanches. Vous faites ça, vous voulez, d'ailleurs. Vous comprenez? Et, pour qui ça, il te voulait, et tout y est, et, cher ami, ensemble avec le policier, ça, pour qui ça, croisé barrière, devait tout y est, et parce que, eh bien, il était participé à arrestation de certains gangs, membres, avait dit gangs qui n'ont membres, qui n'ont groupe lié. Ok, il y a eu arrestation de certains membres d'un gang missière. Et chef de file, c'est Vitalem Innocent. En fait, ça a été des séries bandits. Alcoolite, par exemple, Frankie Charles, sagesse pénale, Lixama R. Savanto. Donc, ça veut dire que c'est des séries de ben, gang, ça, membres d'un gang, ils te prennent. Donc, c'est des respectants pour arrêter gang. Et ça veut dire, pour chef et pour arrêter moun qui dans gang. Donc, c'est peut-être ça que, eh bien, il t'a cherché tout hier, inspecteur. En fait, bandit ça, nous voulons dire pour tout le monde, c'est des bandits notoires. Bon, ben là-dedans, et ça c'est une. Je dis, on n'a pas eu de craser barrière. Mais sauf on tout coteau passé dans le pays d'Haïti, dans chaque petit coin, sont bandits qui ont dirigé. Et tout le monde connaît. Et vous pouvez comprendre que bandit ça, toujours d'après inspecteur, c'est les de monde notoire, tout le monde connaît. Ils ont participé à plusieurs crimes pendant l'année 2019. Là. Par exemple, ils ont cité Simas. 2019, à Tabar, 68, aux environs de 11 h du matin, et Vitalem, bandit ça, Vitalem innocent, li passe l'ordre à un certain Hermès, il a assassiné Kerby Clairvaux. Ok? Et il y a un ancien allié gang Carrefour Fleury tout. Il était 7 h 40 du soir, 28 mars, lorsque 5 membres armés ont écrasé barrière, y compris chef de gang, là, qui c'est Vitalem innocent. Lorsque yo te monté yon Nissan Patrol de couleur blanche sans plaque et yo te attaqué et yo assassiné policier Pierre-Lin Jean-Baptiste. Donc n'a pas rappelé de action que gang ça a fait. Pierre-Lin Jean-Baptiste ça c'est un policier de 14e promotion de police nationale d'Haïti qui t'est trouvé dans machine ça de Mac Toyota couleur blanche qui matriculé à 77612. Et la donne tourne, et policier a dit qu'il y a une petite fille 3 ans. Il était madame Nicole Géant. Yo tout, eh bien, yo te alfin mouri, perdit la vie yo dans l'hôpital Bernames. Donc, c'est bandit ça, yo. Eh bien, monsieur te arrêté de toi la donne. Donc, chef de file là, yo te prenne. Donc, casé barrière, eh bien, depuis là, cherché éliminer. Malgré toute menace, inspecteur Kapale, inspecteur Séraphin Chéri. Malgré toute menace que le tape joint, vie retourner, il était toujours continué à remplir mission. Jusqu'à vendredi, qui était 29 juin 2019, là, quand brusquement, il y a des individus qui armés dans un Maïgaté, et aux environs du ministère de la Santé publique et population, pendant que lui-même était sorti dans le CPJ, il était à peu près 8 h du soir, bandits qui étaient sous moto attaquaient véhicule LIA, un véhicule de couleur grise, Max Suzuki, qui est immatriculé AA. 05757, la dernière unité, malfrayo, yo te vini expressement.
Mission yo c'était pour venir exécuter parce que yo ouvri coup de zam sur machine ni. Gen deux trou bal que moun te capable constater sous porte inspecteur et sous vite portière gauche li te gen plusieurs tessons vite qui éparpillé sous machine là. Et inspecteur te arrive sauver parce que c'est parce qu'elle était très intelligente parce que nèg yo pas venir pour faire quoi rater. OK? Donc pour le sauver Paul, il était obligé à réfugier dans poste police de Gérald Bataille. C'est ça il lui expliqué. Et il souligne que chef lui supérieur hiérarchique lui, monde qui pire passé lui dans au niveau de police là et il a demandé pour te gon équipe spéciale qui était pour venir récupérer pour mener dans DCPJ. Et il était pour des raisons quand il était arrêté pour des raisons de sécurité. Maintenant, l'inspecteur a dit, étant donné que mes amis, il pas qu'à continuer à courir en Haïti, il pas de l'autre choix, il est obligé de réfugier à l'étranger depuis mois juillet là, c'est là l'arrêté, il va y payer, il remet payer à banon. Mais pendant ce temps, bon ici, il a circulé dans plusieurs médias pour lui jouer des oreilles concernées pour lui dire au meilleure situation est bandit obligé à faire chef parti qui te paye ya. Et côté que la demande autorité haïtienne à l'aide. Dans l'espoir que la situation sa capable éclaircir. Pour capable assurer sécurité famille parce qu'elle a une famille en Haïti. Donc parce qu'elle dit que si vous pas jouni, vous pas l'attaquer famille. Donc vous comprenez ça, ça veut dire un inspecteur divisionnaire dans un pays qui est obligé, eh bien, pour être l'arrêté bandit, l'obligé dans Mahon. Vous comprenez ça, ça veut dire? Donc vous comprenez? Si un inspecteur divisionnaire obligé de marron peut-être y arrêter bandit, ou à bando, sans capable dit de un simple policier. Donc voilà. Donc mes amis, une autre fois encore, ça c'est des exemples qui vous montrent que situation sécurité dans le pays d'Haïti, je ne dis vraiment chaotique, et que il y a un pile nèg qui dit aux ses chefs, qui sont confortables. Parce que nous qui te payons nos marchés. Donc, il y a un pilier qui dit que, bien, ça va. Toutes les fois que pas de monde qui prend la rue, qui fait manifestation, toutes les fois que pas de monde qui lève, eh bien, ça a arrêté comme ça. Mais vous comprenez que, pas grand rien sérieux que nous allons faire. Nous pas grand rien sérieux que nous allons faire dans l'atmosphère comme ça. Et nous pas bien bouquer, dit, pas bon ici, là, qu'il y a besoin pour qu'on grand monde dans le cas là. Nous besoin yon moun ki pou mette l'ordre. C'est ça la cherche. Nous besoin yon moun ki capable diriger. Il n'est pas possible pour que des personnes replacées au niveau de l'État trouvent une situation côté que yon obligé à maon pour bay bandi yo. Et bandi yo, c'est chaque jour plus nous tout moun tande jan ap lage chrétien vivant à terre. Moun ki sorti ki pa mande l'état bien entendu malheureux kap ki vle al défendre tête yo mais kap victime nan balmaron bon gen ki oblige tout être la kayonnet ki pays nous vle pou nou gen sans ça nous pa konnen ki katalizeur ki sa nèg yo attend pou comprendre que effectivement ba la bagarre comme ça tout comme constater que population ti jan posé ces derniers jours. Mais posez pas bien dit acceptation. Population qui doit bouquer, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire que il accepte conditions, atmosphère socio-économique qui a développé dans le pays. Mais tout simplement fatigué, parce que vous faites un bon mouvement et que le baron a un cap, c'est lui qui pousse. Mais bon, garanti, ou pas espérer que ou a une continuité dans le pouvoir lorsque vous avez une pareille atmosphère. Il faut justement nous jouer dans un pouvoir qui est capable de prendre le contrôle de la situation. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Et c'est ça qui est plus important pour nous comprendre. Nous avons besoin de monde qui peut prendre le contrôle de la situation. Parce que sécurité, c'est préoccupation numéro un pour tout citoyen, que ce soit ça qui est dans le pays, mais ça qui est dehors le pays. Donc, on souhaitait que, effectivement, que M. l'État soit capable de comprendre ça. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Un tôt ou tard, ou pas cabreté.
C'est ça pour comprendre. Par un monde qui apprend. Poser, ça va veut dire que nous acceptons. Ou pas capable de gérer un pays dans cette condition. Donc voilà, et ça nous devons dire. Donc, bon, je vais être connecté avec nous parce que nous, là, pour nous analyser, justement, commenter information pertinente qui domine l'actualité. Portez-nous bien. Pas oublier.